Devenu un rendez-vous incontournable pour les chefs d'État du continent africain, cette rencontre a débouché sur un plan d'action conjoint Chine-Afrique. Ainsi, la délégation gabonaise, qui prenait une part active au 9e forum sino-africain à Pékin, est arrivée en Chine avec 22 programmes et projets dans les cartons. Des propositions qui ont fait l'objet d'intenses discussions lors des assises. Parmi ces projets, il y a la construction d'un chemin de fer qui traversera le Gabon de l'est vers le sud-ouest. Cette voie ferrée permettra d'acheminer 60 à 100 millions de tonnes de fer et de manganèse par an. Avant d'aller à Pékin, le Gabon a décaissé 13 milliards de francs CFA pour alléger sa dette auprès de la Chine, son premier partenaire économique.